Godard, il dit que la différence entre la télévision et le cinéma, c'est que les personnages sont plus grands que vous au cinéma, donc on est capté par l'attention. C'est ce qu'on appelle la magie du cinéma. Alors, quand tu regardes la télé, tu peux faire un milliard de choses différentes, tu vas pas être absorbé par l'histoire de la même manière. Moi, mon peintre préféré, c'est le Caravage. Et le Caravage, j'y peins toujours ses personnages, minimum à l'échelle humaine. Et donc, j'essaye de jouer là-dessus pour... Parce que moi, mon truc, c'est les sentiments, donc... Si j'arrive pas à transcrire les sentiments, bah c'est loupé. Quoi. Mm-hmm. Donc j'essaye ce petit truc. Et comme ma peinture est très gestuelle, si on peut s'en rendre compte assez vite, c'est de faire en sorte que la peinture découle de l'épaule presque. C'est beaucoup moins ennuyeux quand on peint. Et ben voilà, au moins ça marche si mes visages font 20 cm minimum. Quoi. Okay. Alors moi, il y a 14 cm entre le front et la bouche. D'accord. Et du coup, c'est peut-être ça qui explique aussi les grands formats. Les grands formats aussi, ou à partir du moment où je veux mettre quelqu'un, je veux pas peindre juste son portrait, c'est-à-dire les épaules et la tête, bah forcément, ça prend plus de place. Mais quand j'ai commencé à peindre, j'ai bien vu que j'étais complètement bloqué par le format. Dès que je faisais quelqu'un qui était un peu plus petit, j'y arrivais pas. J'étais enfermé dans quelque chose qui me plaisait pas au niveau de ma gestuelle. D'accord. Et c'était pas plaisant après à regarder. Parce que ce qui se passe aussi, c'est que quand le peintre s'ennuie, le spectateur s'ennuie aussi. J'en suis persuadé.